Bonsoir à tous. Je remercie le Seigneur pour cette belle journée que nous avons passée. Je demande l'assistance du Saint-Esprit. Je demande que la lumière soit entre vous et moi. Bonsoir le roi Constant. Je demande aussi que votre esprit soit ouvert pendant que nous allons partager ce message. Je détruis les croyances dans votre esprit qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Que la lumière soit la vôtre. J'active vos destinées par ce que je vais vous enseigner. J'ouvre votre esprit. Beaucoup d'entre vous, on vous a bloqué dans l'enfance. Quand vous étiez petit, pas à l'école, premier cycle, tu es intelligent. Tu arrives au secondaire, tu deviens bête. Ça, c'est la période de restauration. Je restaure votre intelligence. Je restaure vos idées. Que la lumière soit faite et que toute personne qui a utilisé votre intelligence a ses propres gains. Que ces personnes soient démasquées. Et que ce qui vous a été volé soit restauré 100 fois plus au nom de Jésus. Je déclare que votre saison, beaucoup parmi vous, vous êtes dans une saison d'ouverture, d'idées. Vous êtes dans une saison où, c'est comme si vous commencez à réfléchir. Avant, vous étiez influencé et téléguidé par l'environnement. Vous fonctionnez par la peur. Maintenant, l'esprit me dit de vous dire que vous êtes en train de passer dans une phase où vous n'avez plus peur. Je restaure vos idées. Je vous sors de tout trou dans lequel on vous a mis. Trou mental. Je vais vous parler de la perte de mémoire. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me fait parler de ça aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, vous étiez très intelligent. Et tout d'un coup, votre intelligence est partie. C'est un peu comme si tu avais accepté que tu es devenu bête. Pour certains d'entre vous, c'est autour de l'âge de 9 ans, quand tu as passé le CEP. Tu as fait le CEP dès que tu as passé. En 6e, coup moins 2, tu étais premier, deuxième. Tu es arrivé en 6e, tu es devenu 15e, 20e. Certains, vous avez excellé jusqu'à seconde. Dès que vous avez passé seconde, la première, vous avez d'abord fait 3 fois. Terminale, vous avez tourné, finalement, vous avez même laissé. Tu dois être conscient de quelque chose pour être conscient que tu es sorti de la chose. Si on ne te montre pas que tu étais dans un trou, tu vas croire que rien ne s'est passé dans ta vie. Il y en a parmi vous, quand vous aviez 20, 21, 22 ans, vous aviez le courage pour faire les affaires. Tu te levais, tu faisais seulement. Tu te levais, tu faisais.
père de tes enfants. Pian. Te voilà à la maison, ça disparaît. C'est comme si tu es devenu bête. C'est comme si tu as perdu tout. Tu vois le zèle que tu avais avant là, non? On savait que non, elle est toujours motivée. Certains parmi vous faisaient même le sport. Vous avez laissé le sport. C'est là que vous avez commencé avec les rêves où on vous poursuit. Parce que parfois tu tombes dans les mauvaises familles. Pas que c'est les mauvaises familles, mauvaises. Ton union avec la famille là n'est pas bien. Et comme ta mère, elle est un peu ton, elle ne connaît pas toutes ces choses-là. Elle ne t'a jamais. Te voilà, depuis que tu es. Vous n'êtes même plus ensemble, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est parti de toi. Certains parmi vous, quand vous allez prier cette nuit ou demain, vous allez demander la restauration. La restauration de votre étoile. Certains parmi vous, c'était les hommes avec lesquels vous êtes sortis ou les femmes avec lesquelles vous êtes sortis, c'était les agents du diable. Donc la personne là venait spécialement pour te bloquer. Certains, tu avais les business, quand tu commences à sortir avec la femme là, tout tombe, tout chute. Ça fait 10 ans que tu essaies de te relever. J'ai eu un client comme ça une fois l'année passée. Il me dit, tu sais quoi, si elle veut partir, qu'elle parte. Ça faisait, quoi, ça fait 5 ans qu'ils font chambre séparée. Il dit que quand j'ai connu la femme, c'est il y a 14 ans. Il dit, regarde-moi aujourd'hui, j'ai 38 ans. Il y a cela 14 ans, j'avais quel âge? 24 ans. Il avait conçu sa première maison. Donc, construit ce qu'a fini. Il dit que depuis qu'il a commencé avec la femme, là, ces choses n'avancent pas. Il avance un peu, retour en arrière. Il avance un peu, retour en arrière. Il commence un business, elle le ralentit. Elle va venir avec des problèmes. Problèmes. Que wow, je ne veux même pas. Non, ne veux pas. Il dit que c'est le business qu'on fait qui va donner l'argent. Et c'est un homme qui vise les bonnes choses. C'est un homme qui vise les bonnes choses. Donc il ne peut pas se retrouver en train de chercher le petit agent. Bonjour la reine. Joanne. Il commence un truc, elle se fâche que non, tu m'as manqué de respect devant les employés. Elle arrête de travailler. Le lendemain, il se retrouve avec toute l'entreprise. Il doit voyager pour aller faire les connexions avec les clients. Qui va rester gérer? Et c'est sa famille dorme à la maison ensemble, ils ont les enfants. Il dit que non, la femme, elle m'a déjà fait les mauvais coups. Trop pour te démoraliser, déstabiliser. Analysez les gens qui sont dans votre vie. Observez les gens que vous avez dans votre vie. Quand la personne entre, est-ce que tu es frustré tout le temps? Il y en a parmi vous, vous êtes des grandes reines, des grands rois. Votre destinée est censée être très grande. Et puis, voyez ça en avance. Écoutez, si votre père et votre mère n'ont pas vu, certains de vos oncles et tantes, quand vous étiez encore dans le ventre, ils sont partis chercher. En cherchant que, est-ce que l'homme avec lequel ma soeur, elle est bien. On a même vu que l'enfant qui est dans le ventre, là, il sera un grand. Ce sera un grand dans ce pays. Elle ne t'a jamais dit. C'est quand tu grandis, elle fait de son mieux pour que tu partes par en Europe. Même comme ça, tu bosses là même, tu passes par l'Éthiopie, la Libye, je ne sais pas de quoi, tu pars.
concocté, tu t'appelles ta mère ou ton père. Dès qu'il tue comme ça là. Te voilà. Tu souffres. Tu tournes. Il y a certains de vos grands-mères qui ont les mauvais esprits. Vous avez les grands-mères sorcières. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Quand tu accouches, la mère de ta mère ou la mère de ton père, elle vient t'envoûter. C'est ça qu'elle puise dans ton étoile tout le temps. Elle puise. Vous allez voir tous les petits-fils d'une famille. Personne n'est quelque chose. Personne. Ils sont tous là-bas dans une petite maison de Bépanda. Deux chambres salon que le père avait construit en 83 avant de mourir. La grand-mère, depuis le temps-là, n'a jamais eu de mari. Elle est restée là. D'accord, la reine assiste tout. Et quand ils ont fait comme ça, ces grands-mères, grands-pères-là, il y a une qui m'a même dit une fois que sa grand-mère et elle se chamaillent tellement. Un jour, elle planifie de venir à Douala faire son lavage. Sa grand-mère l'insulte. Elle dit à sa grand-mère que pourquoi tu es méchante comme ça? Finalement, à la fin, sa grand-mère l'a maudit. Elle dit que tu vas faire l'accident. Elle me dit à sa grand-mère que Tom, tu vas faire l'accident. Le lendemain, elle prend le bus. En route, le bus fait le tonneau. Et parfois, ces sorcières-là, elles connaissent, elles voient votre étoile avant. Elles voient votre étoile avant. Elles connaissent que l'enfant, si, il va faire de grandes choses. Mon fils-là, il va faire de grandes choses. Voilà comment il te bloque. Quand tu observes bien, tu vois que ton père n'avait presque rien fait de sa vie. Tu grandis, tu suis les pas de ton père. Soyez très sage. Certains lavages que vous allez faire votre travail spirituel, quelqu'un de votre famille va mourir avant qu'on va vous donner le visa. Parce que la personne avait dit que over my dead body, que la fille ne va pas avancer tant qu'elle est vivante. En parlant de ta chose, comme il y avait le bac tout saint dedans tes paroles, les anges ont pris la flèche là, ils sont partis lancer sur la personne qui t'avait envoyé ça. Dans ce moment que Tata Picali est morte, ça c'est pas Tata Pascaline, Tata Picali, Tata n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas le spirituel.
Certains d'entre vous, vos tantes et vos oncles ont appris ces choses-là à vos cousins. Maintenant, vos cousins sont en âge adulte. Écoutez, ce n'est pas le même cousin que vous avez mangé le coquet ensemble. Hein. Ce n'est pas le même cousin que vous avez sucé la canne au kacha ensemble. Ils ne sont plus simples. Cet homme leur a montré comment utiliser votre étoile à vous, comment venir prendre pour vous, vous mettre sur eux. Donc quand tu es là, tu fais comme ça que kounya kounya. Souvent tu restes sur tes cousins en rêve. Tu dis, mais ils viennent me faire quoi? Tes propres cousins. Kofi Gombo, no pity in business. Oui, la reine Erisia. Parfois l'esprit va te montrer. L'esprit va te montrer. Si je connais que c'est toi qui me manque, qui a voulu me tuer d'abord, je vais venir me coucher à côté de toi comme ça là. Hein? Écoutez, vous n'êtes pas parano, hein. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas parano. Souvent j'entends ce que les esprits disent souvent quand ils sont dans le corps de quelqu'un. J'ai dit que mince. Ils disent que lui, c'est moi qui la bloque depuis, que j'ai pris son étoile depuis qu'elle a 9 ans. C'est l'esprit qui parle à travers la personne. J'ai bloqué cette trompe. Chaque fois qu'un homme veut venir avec un salon, on bloque l'homme là. Il se fatigue, il part. Tu demandes à l'esprit que tu es l'esprit de qui? Je suis dans sa tente. On lui avait donné quand elle était partie chez la tante en vacances. On a fait ça, ça, ça. Il y a une que j'ai fait son lavage, elle me dit que elle s'est rappelée qu'un jour elle était partie chez lui, cette Anticone, quand elle était petite. La Anticone a lavé ses pieds. Elle a pris l'eau du lavage. La fille dit qu'elle ne sait pas ce que sa tante a fait avec. Et ce sont les choses qu'on va te faire, tu vas oublier. Tu vas oublier. Maintenant qu'on va commencer à travailler, tu vas te rappeler que, ah, un jour, il y a une, non, elle est venue de l'Europe, elle est venue sur son travail. Le lendemain, elle me dit, je me suis rappelé, ma belle-sœur m'a dit un jour que sa mère, qui est ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de mon mari, lui avait donné l'œuf. Elle lui a dit de parler contre mon nom. Et demande, est-ce que ta belle-sœur avait fait? Elle dit, oui, elle avait fait. Donc sa belle-mère prend le fait, donne à sa fille, que parle contre la femme de ton frère. Elle finit de parler. Elle donne le fait à la mère. Tu crois que la mère est partie faire quoi avec? Et le genre de mère, là, si elle apprend que tu es même sur ma page, si elle apprend que tu apprends les choses comme ça, mof, elle va aller dire à son fils que wow, ta femme est devenue, elle part chez les marabouts. Je vous ai moi déjà dit, c'est vous qui avez peur d'eux. Il vous expose. Ok. Tu pars chez les marabouts, pourquoi? Toute personne qui s'active trop ardemment, ne te lave pas avec ça, ne fais pas ça. Ma chérie, le jour tu vas voir ce que la personne a fait. Je suis allée une fois avec une amie dans les blancs où on vend les produits spirituels. Elle regarde un produit, elle dit que ça là, est-ce que vous avez tel produit? Je regarde, elle dit que dans mon esprit, je dis que tu fais comment pour connaître ça? Tu es bête. Il y a un an qui part chez les vieux pères de Fumban là. Elle passe 5 heures de prière avec le père, 15 heures de prière avec le père. Après, elle revient faire comme si. Mon ami, oui. Non, moi, je ne parle pas. La reine Justine là, elle dit non. Là, ça, elle dit tout ce qu'elle dit là, c'est rien. Tous les produits que je vous dis là, ils connaissent. Ils connaissent.
Faites très attention. Hein. Très. Quand vous allez voir le nombre de choses que ces gens-là connaissent et qu'ils font. C'est pour ça que affaire de lieu sacré ou bien de lancer la poule n'importe quoi au village. Si tu n'as pas confiance en la personne, ne pars pas avec lui. Tu peux partir, tu ne connais pas très très bien comment on fait. La personne te trompe. La personne te trompe. Pendant que tu es là, tu crois qu'il est en train de lancer la poule pour ton bien. Il fait une mine, il oublie de faire. Il ne même pas que l'oublier, il ne fait pas un détail. Voyez, c'est le détail là qui va t'aider. Mais là, tu pars comme ça, Dieu va guider un homme du village, il va venir t'aider pour lui. Un homme du village va venir au hasard comme ça t'aider. Et sa prière pour toi, là, mon frère, il va mettre le feu sous ça. Il va mettre le feu, le faya. Bonsoir, bonsoir. Et vous avez dit qu'on ne partage, on ne dit pas toutes ces choses aux gens. Beaucoup de vos décepticons sont déjà sur ma page. Beaucoup d'entre eux. Donc quand vous avez votre faux profil là, vous venez cela, faites comme si vous ne connaissez rien dans le spirituel. Vous allez les surprendre. Bien, ton business marche. Bien, tu as ouvert l'autre dans une autre ville. Bien, tu as le visa, tu peux actuer. Bien, ils voient seulement les choses qui avancent. Mais on l'a bloqué, non? Qu'est-ce qui se passe? Ils appellent le marabout. Mais la fille qu'on a bloquée là, elle ne fait qu'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es en train d'apprendre la vérité. Tu apprends à écouter ton esprit. Tu apprends. Mettez beaucoup votre foi. Yannick, je vois, tu dis que tu es successeur et tu as peur. La succession n'est pas mauvaise. Et si tu parles, les gens discutent, ils disent que c'est pour eux. Donne-leur. Parce que si tu es le vrai successeur, on va venir te donner la succession spirituelle. Parce qu'il y a des familles qui veulent tuer, on peut te tuer parce que tu viens t'asseoir, parce qu'on t'a mis sur la chaise. Il dit que prenez la chaise physique. Je vais prendre la chaise spirituelle. Ce sont les ancêtres qui donnent non. Est-ce que c'est vous? C'est vous les vivants là? Non. Bonsoir, bonsoir. Il y a beaucoup de choses que l'esprit va vous montrer, je vous dis. Tu vas rester, tu vas voir tes décepticons en rêve. Ils vont venir, même chez toi, pour déposer quelque chose. Écoute, hein, l'esprit ne te manque pas. Peut-être le matin, là, en priant, en parlant, tu as dit, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Montre-moi qui me dérange. Vous devez apprendre à travailler main dans la main avec le Saint-Esprit. Et c'est parce que vous ne croyez pas. Il y a une dame l'autre jour, je vous ai parlé de celle qu'on a volé son argent. Non? Elle avait 1000 euros, elle n'a pas encore payé la dîme, on est venu voler tous les 1000 euros. La personne était entrée dans son salon, a pris son sac à main, est arrivée devant sa maison, a jeté le sac et est partie avec le porte-monnaie. Vous venez m'envoyer la vidéo. Elle dit que ce matin, elle a fait son bain avec la cannelle, elle a parlé. Elle a appelé qu'on lui restaure son porte-monnaie ce matin. Le soir, un homme vient sonner à la maison. Il dit que oh, j'ai ramassé ça derrière là-bas. Il y avait tous ses documents dedans. Tous les documents. Tu connais quand les procédures quand tu perds tes documents en Europe. Permis de conduire, tout. 4 jours après qu'on ait volé son sac. Elle dit, ah ma reine, je dis que ma chérie, c'est toi qui doutes de toi. Tu doutes de toi-même. Je crois que Dieu a voulu qu'elle voie que ses prières ne partent pas en vain. Quand elle a perdu les 1000 euros, je lui ai dit que quand tu vas partir à la police pour porter plainte et tout ça, ne laisse pas te dire, oh, 1000 euros c'est beaucoup. 1000 euros c'est la moitié d'un salaire. Oh, Quand tu comptes te faire 1000 euros par jour,
Donc, quand ils vont vouloir te demander, tu dis que de toutes les façons, 1000 euros, c'est le salaire, c'est ma vente d'une journée. Ne laissez pas les peurs des autres être vos peurs. Qui veut la cola? Tu demandes aux ancêtres, ce sont les ancêtres qui donnent. J'ai une petite nièce là, elle a 2 ans. Tu mets le bonbon, tu mets la cola, elle prend la cola, elle mange. Son grand-père lui a appris de ces choses. L'enfant de 2 ans, elle prend la cola, elle mange ça. Tu la regardes, tu dis que hey, mamie. Tu donnes le bonbon, elle refuse. Vous avez déjà les dons, hein. Si vous m'écoutez, si vous êtes sur ma page depuis, je suis la reine des reines. Donc, genre, ma part de pouvoir, là, c'est pour activer les choix des gens. Je suis là seulement pour vous activer. Bonsoir, la reine Ghana. Donc, je suis là seulement pour t'activer. Il y a beaucoup de dons en vous. Maintenant, je passe mon temps à dire que oh, je n'ai pas les dons. Oh, je n'ai pas les dons. Tes dons vont partir de tout. Certains d'entre vous, bonsoir la reine Fatima. Bonsoir la reine Clarine. Donc, certains d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de beaucoup de repos physique. Parce que vous êtes en train de vous métamorphoser. Les enseignements que je vous donne là, ça active votre corps, votre ADN. Vous sentez comment votre corps est en train de se transformer. Quand tu m'écoutes généralement, tu sens comment ton corps picote. Tu vois, non. Là, comment ton corps picote. J'espère que vous avez déjà vos bracelets. Le bracelet œil de tigre, vous avez déjà ça, non? Quand vous prenez, ne prenez pas seulement un. Donc, il y a aussi les bracelets roses. Il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez commander ça. Bonsoir Albine, la reine Albine. Bonsoir la reine Nathalie. Bonsoir le roi Wafo. Getty. Il est où-t-il là? En bas de forme, dit Nzula. Je suppose qu'en bas, c'était Nzula. Le bracelet, c'est 500 000. Vous allez remarquer que votre corps va commencer à s'activer. Parce que si les ancêtres vous parlent beaucoup dans les rêves et que vous ne dormez pas, comment est-ce qu'ils vont vous parler? Hein? Pourquoi tu dors comme ça quand tu es à mi-chemin entre le sommeil et le réveil? Voilà. C'est là que tu commences à voir. Tu commences à voir. Une idée te vient.